Salut tout le monde, c'est Darvel. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes tout premiers essais de création de jeux vidéo. Alors, soyez indulgents. Oh, puis non, je m'en fiche, il y a prescription. C'était la fin des années 90 et je découvrais le logiciel Click and Play qui s'appelle aujourd'hui Multimédia Fusion et qui permet de créer des applications sans connaissance en programmation. Donc mon premier essai s'appelle Animaction. Waouh, le jeu de mots d'enfer! Et c'est en fait de courts dessins animés que je gribouillais sur des petits carnets et après vous savez, vous faites... Et ben je les ai scannés et leur ai donné vie. Bon, c'est vraiment pas Jojo, je le reconnais, mais à l'époque j'étais tout fou de pouvoir rentrer mes petits dessins à l'écran. Même chose pour ce petit personnage que je n'ai même pas pris la peine de colorier au passage, qui se déplace dans des photos scannées également. Donc c'est Evil Forest, parce qu'il y a un peu d'arbres de temps en temps. C'est con, bref. Petite évolution, on contrôle un perso et on se bat contre des ennemis. Ennemis qui ont une IA proche du zéro, mais ennemis quand même. On peut mourir dans ce jeu. Mais bon, ça c'est si on est vraiment une brêle de chez brêle, hein. Troisième et dernier essai, les petits cons. Ouais, j'étais très inspiré à l'époque. Donc petit jeu de plateforme, tranquille, qui enchaîne des stages sans queue ni tête. Je me défendrais bien en disant que j'étais jeune ou alors que c'était de l'expérimentation. Ouais, voilà, on va dire ça. Petite amélioration encore, et heureusement, il y a des petites séquences RPG avec dialogue. On approche un tout petit peu de ce que je voudrais réaliser actuellement, même si on est encore à des années-lumière d'un jeu correct. Voilà pour mes premiers essais d'il y a 15 ans, et voilà pour ce premier numéro de Game Making. Je vous dis ciao et à la prochaine!